Eh bien salut tout le monde, c'est le Flakito. Aujourd'hui une petite vidéo sur, comme je le dis dans le titre, sur Rome Station. Alors qu'est-ce que c'est que Rome Station? On va attaquer tout de suite. Voilà, donc c'est ça. Un petit logiciel qui vous permettra d'avoir un logiciel, un émulateur, donc permettra de jouer à des jeux de GameCube, Game Boy Color, PS2, DS et même PC. Donc aujourd'hui je viens juste de remarquer qu'il y a une petite mise à jour. Je sais peut-être que ça fait longtemps que j'ai plus joué sur Rome Station. Donc Sergent Simulator, Slender, si vous voulez tout avoir ça gratuitement. GTA 2 aussi, bon bah ça voilà quoi. Si vous connaissez pas ces jeux, c'est vraiment des Sergent Simulator et Slender, c'est vraiment des jeux que je recommande. Je crois qu'il y a aussi Eerie, donc Baby Blues, One Light Night, Eerie, Slenderwood, Team Fortress RS2. Donc vous voyez, il y a plein de jeux qui sont vraiment super. Il y a aussi des jeux de Game Boy. Enfin, comme Pokémon, si je me trompe pas, populaire. Voilà, Pokémon, donc vous pouvez jouer à ces jeux-là. Nintendo 64, si vous voulez, donc je crois qu'il y a aussi Mario 64. Je vais bien vérifier, normal, logiquement. Oui, voilà, il y a donc des jeux PS2, des plus connus alors. Pour y installer le Rome Station, donc je pense que c'est assez simple, hein. Vous vous rendez sur Rome Station, vous tapez Rome Station sur Google, le lien sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Oula, je crois que je me suis un peu fait dans mes recherches, voilà. Hop, donc romstation.fr. Installer Rome Station, donc je pense que c'est assez grand pour le voir. Enregistrer le fichier, enfin ça vous dépend si vous faites ouvrir ou installer. Donc, allez, 1 minute, je vais vous laisser passer ça, allez. On se retrouve après. Donc nous revoilà. Alors une fois l'interaction terminée, donc quelques secondes restantes. Je pense faire quelques vidéos sur des horror games et j'ai vraiment très peur, donc j'évite un peu comme The House. Je sais pas si vous connaissez le jeu Baby Blue. Slender, ça on verra ça déjà un peu plus tard. Donc, on dirait que ça a bugué. Vous voyez, ça reste recherche de virus, allez, cherche bien. Voilà. Vous cliquez sur enfin voilà, vous cliquez sur ce que vous avez installé bien sûr. Une demande d'admin, de l'administrateur, vous faites oui. Voilà, donc suivant. Là, vous mettez là où il veut mettre, enfin là, vous choisissez où installer le programme, enfin où installer les fichiers du programme. Donc vous voyez que ça prend 387 MO. Donc c'est pas énorme non plus, ça va. Suivant. Le pack, donc là, vous cochez pas, sinon ça va être chaud à le retrouver. Donc vous cochez surtout bas. Suivant. Créer une icône sur le biron, vous cochez. Suivant. Et là, vous allez faire installer. Donc, normalement, ça vous installe des fichiers sur votre ordinateur. Mais moi, je ne vais pas le faire tout simplement parce que j'ai installé pas mal de jeux sur Rome Station et ça risque de me les perdre. Donc, j'ai annulé. Vous faites installer. Hein. Annuler, oui. Voilà. Ensuite, ça va vous rendre. Enfin, ça va vous donner. Tout simplement Rome Station. Alors, moi, je l'ai là. Je n'ai pas son bureau, mais je l'ai là. Ça va vous donner une petite icône avec 4 voilà, j'oublie mes mots, rond blanc, voilà, dans un rond blanc, donc oui, voilà. Et voilà, donc vous arrivez là. Ensuite je vais prendre un jeu complètement au hasard. Donc moi j'ai installé un jeu que je connais. Eri, je connais, mais ça risque d'être un peu long. Slender, voilà, Slender, télécharger en haut à gauche. Téléchargement en cours, donc voilà. Donc voyez qui a marqué 13 minutes. Alors, une fois le jeu installé. Ah, en fait, j'ai pas du tout de jeu. J'ai rien. Je pensais que j'en avais, mais en fait, non. Une fois un jeu installé. Donc, moi, par exemple, j'ai installé Pokémon. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur jouer. Et ça va vous ouvrir une petite fenêtre telle que celle-ci. Et vous pouvez agrandir. Voilà. Donc, c'est super. C'est sympa. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez accélérer en appuyant sur la touche espace. Voilà. Et le problème avec Rome Station, donc j'étais en train de dire, le problème avec Rome Station, c'est que on ne peut pas, on peut sur certains jeux bien sûr, on ne peut pas enregistrer. Donc c'est assez dommage. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, 9 minutes, c'est parfait. On va attendre que le téléchargement soit fini. Et je pense que c'est bon. Donc je vais vous laisser. Donc ce tuto a duré 5 minutes. Là, c'était plutôt assez court. Je vous laisse.
à vos occupations préférées, je sais pas trop quoi. Allez, ciao!